Ce livre ne fonctionne pas. Bella est à la maison. Tout à coup, sur l'autre page, quelqu'un frappe à la porte. C'est Bruno qui veut montrer à Bella son nouveau jouet. Ce camion est télécommandé, dit Bruno. Regarde ce que fait l'échelle quand j'appuie sur le bouton en haut. Mais il ne se passe rien. Alors Bruno appuie sur le bouton tourbillon. Il ne bouge pas, constate Bella. Essaie plutôt de faire du bruit. Bruno appuie sur le bouton sirène. Ce n'est pas très fort, fait remarquer Bella. Essaie un autre son. Appuie sur le bouton voix, par exemple. Au secours! Ce livre est incontrôlable! Qui a dit ça? S'écrie Bella. C'est ton chien! Il parle! Répond Bruno. Et je suis coincée! Est-ce qu'un des boutons peut me faire descendre? Je pense que le bouton tourner devrait tout arranger, dit Bruno. Mais ça n'arrange rien! Qui pourrait dompter ce livre? Demande Bella. Oups! Dit Bruno. Pas moi, en tout cas. Bella réfléchit un instant. Cher lecteur ou chère lectrice, dit-elle, pourrais-tu nous aider, s'il te plaît? Essaie d'appuyer sur le bouton en bas, ajoute Bruno. Oh non, s'exclame Bella. As-tu appuyé sur le bon bouton? Bruno commence à être malade. Vite! Essaie d'appuyer sur le bouton « Échappe! » dit-elle. Mais tout est encore plus mêlé. Cher lecteur ou chère lectrice, permets-moi de te donner un conseil. Essaie le bouton « Marche » et compte à rebours à partir de 10. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oh non! Une surcharge électrique! Attachez vos trucs. La situation est sur le point de s'améliorer. Ouf! Pour en être sûr, le chien de Bella appuie sur le bouton en haut. Ça fonctionne! Parfaitement bien! Je crois que ton chien a trouvé le bouton asperger, dit Bruno.